Ces arbres multicentenaires, d'une circonférence de plus de 7 et 9 mètres, ont été repérés par la municipalité de Loquénolé depuis fort longtemps. Elle espérait voir ces deux châtaigniers, cet if et ce chêne de la liberté, labellisés arbres remarquables depuis une dizaine d'années. Voilà chose faite depuis ce week-end. Une pierre, on a fait deux coups. On a reçu la semaine dernière le premier prix des villages fleuris en Finistère, donc des communes de moins de 1000 habitants. Aujourd'hui, on reçoit le label de 4 arbres remarquables. 4 rien que pour la plus petite commune du Finistère en superficie. C'est vraiment un atout énorme et une satisfaction très forte. Un aménagement pour le public est déjà prévu pour mettre en valeur ces 4 arbres remarquables. Le Conseil général du Finistère tient une place importante dans ce projet, puisque c'est lui le propriétaire de 3 de ces arbres. C'est une volonté de conserver notre patrimoine naturel et en plus de protéger ce patrimoine naturel. Depuis 40 ans, le Conseil général du Finistère œuvre pour faire l'acquisition progressivement de... Aujourd'hui, on en est à 4020 hectares. Même si le label n'a plus de valeur administrative, il permet bien souvent de protéger les arbres remarquables. Une sorte de label moral qui fait de plus en plus parler de lui. On a lancé la pétition pour que les arbres soient reconnus comme patrimoine national. Il existe actuellement 360 arbres remarquables en France. Une dizaine sont finistériens.